On va avoir droit à un choc, à un duel très attendu, vous l'imaginez bien. Ne bougez pas, dans un instant, Barcelone affrontera l'Athletic Bilbao. Salut à tous, vous le voyez sur ces premières images, les deux équipes vont évoluer dans des conditions idéales aujourd'hui. Et pour commenter ce match, il fallait ce qu'il y a de meilleur sur la planète. Et c'est moi qui ai été trouvé. Alors, ce sont 90 minutes de foot espagnol hein, qu'on va voir avec ce match de Liga Santander. Le FC Barcelone face à l'Athletic Club de Bilbao. Je suis content de passer ce moment avec vous. Je sens que je vais m'éclater et que vous allez vous éclater. Il élimine le défenseur. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Ouais, pas de problème dans les gants. On sera attentif au match d'Ousmane Dembélé aujourd'hui. Et je pense que le défenseur adverse se prépare à souffrir. Donne par-dessus. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Oh, ça y est, le danger qui s'éloigne. Oh, la défense a eu chaud. Mauvaise relance. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Raúl Garcia. Oh, quel arrêt, Ter Stegen. Tout le monde l'a voyé dedans. Corner, le ballon en pleine surface. Ferran Torres. Ousmane Dembélé. Dans l'espace, directement dans les pieds de l'adversaire. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Et le but! Le premier but du match! On voit le but avec la passe en profondeur, bien donnée dans la course. Le gardien qui est devancé au premier poteau. Ah, ça a été quand même un but évitable. Hein. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Et bien l'intervention, changement de possession. Raúl Garcia. Balenciaga. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. C'est parti vers le premier poteau. Et ouais, le gardien qui sort, ça fait du bien à sa défense. Ousmane Dembélé, personne qui vient le gêner. Alors il continue. Oh le but! Oh le FC Barcelone qui égalise! Contre-attaque qui a amené ce but. Enfin, la puissance qui fait le reste. Bon équilibre sur cette frappe.
Et ils égalisent donc un but partout. Moniain. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Le graphisme qu'il confirme, c'est bien l'équipe locale qui a la main mise sur le ballon. Je ne suis pas sûr que le staff technique soit complètement rassuré. C'est bien d'avoir le ballon, mais il faut en faire quelque chose. Raoul Garcia. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Ouais, il repousse, ça joue. Là, il fallait intervenir urgemment. Il vient de se faire une belle peur là. C'est un miracle de ne pas être mené. Et on entend les supporters du coup encourager leur équipe. Raoul Garcia. Ferran Torres. Aubameyang. Le centre de Aubameyang. La fin du temps réglementaire est seulement une minute de rajouté par l'arbitre. Busquets. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Et l'équilibre parfait à la pause. Un partout après ses 45 premières minutes. Il a fait une bonne première période. Bon match pour l'instant. Il a été bon dans cette première période. C'est lui qui marque le but égalisateur. Il a été... de tous les coups dangereux, de tous les mouvements offensifs. Il a bien défendu également. Bonne première période, vraiment. La seconde période de ce match. Et on se demande bien qui va pouvoir l'emporter. C'est très équilibré pour l'instant. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang. Et le ballon dans les bras du gardien. L'arbitre qui décide de revenir à la faute. Oh, le défenseur qui a perdu le duel. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Premier corner depuis longtemps. Et le public qui a compris que c'était une bonne occasion pour peut-être prendre l'avantage. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. La tête. Non, ce ne sera pas du tout inquiétant. Ouais. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Oh, il a fait le plus dur peut-être. Ouais, le ballon piqué, attention à ce ballon piqué qui vient tromper le gardien. D'abord la passe en profondeur qui a mis la défense aux abois. Et derrière le petit ballon feuille morte qui vient mourir dans les filets. C'est superbe. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2 buts à 1. On a atteint l'heure de jeu. Il glisse ce ballon en profondeur. Oh, magnifique, la frappe est super barrée.
Le Barça qui continue, il y a avantage. Et l'avantage qui n'a pas profité, l'arbitre qui décide de revenir à la faute. La faute me semble évidente hein, sur ce tacle. Olympique sans doute une consigne, mais en tout cas ça joue très très bas. Aki de Jong. Tentative de jouer ce ballon en finesse. Mais là c'est complètement raté. J'imagine que c'était pas l'intention. L'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Onyain, Raúl Garcia. Voilà, c'est ça qu'ils doivent faire s'ils veulent pouvoir égaliser. Bien joué. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Aubameyang dans le pied. Le but pour le FC Barcelone. Ce ballon en cloche qui a mis la défense en grande difficulté, alors qu'il passe au premier poteau, et le gardien qui est trop statique sur sa ligne, qui ne peut pas intervenir. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Ouais, ben l'interception, il est sorti de nulle part, il a jailli. Et ça va s'arrêter là, très beau geste défensif. Yuri. Onyain. Ah ouais, c'est bien fait ça. Raúl Garcia. Et ce centre qui est contré. Pierre-Emerick Aubameyang. Adama. Et il gagne quelques mètres. En position idéale pour centrer. Ouais, il a dribblé. Sergio Busquets. Oh, la conduite de balle, impossible de lui prendre le ballon. Adama. Dans l'axe. Ouais, bien arbitré là, le Barça qui poursuit son action malgré la faute. Il perd le ballon. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. C'est un petit peu brouillon en défense, hein. Il est mal dégagé ce ballon. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Une passe lobée dans le dos de la défense. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. C'est le coup de sifflet final et c'est donc Barcelone qui prend les 3 points aujourd'hui. Un match remporté sans laisser beaucoup d'espoir à l'adversaire, c'est de bon augure pour la suite. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Il a fait un très très bon match. Il a été efficace avec ce doublé. Franchement, mission accomplie. L'un des grands acteurs de cette victoire.